Alors, j'ai choisi les États-Unis parce que vraiment, c'était un peu le rêve américain. Découvrir Noël aux États-Unis, Halloween aux États-Unis, c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de découvrir. Et découvrir la mentalité aussi américaine. Voilà. Alors, pour ce qui est de la différence des cours en France et aux États-Unis, la différence est juste énorme. C'est vraiment en France, c'est super dur. Aux États-Unis, c'est vraiment beaucoup plus simple. Rien que par exemple, si je peux donner un exemple, on a donc des définitions. Et donc, c'est des matchings. En gros, on doit mettre la définition avec la réponse. Donc, vraiment, c'est super simple. En France, on doit apprendre tout par cœur. Vraiment, tout est plus simple. On peut utiliser notre téléphone en cours. Enfin, vraiment, tout est plus simple. Après, moi, il faut savoir que je suis dans un lycée privé aux États-Unis. Après, c'est vraiment l'équivalent, c'est la même chose. Mais en tout cas, c'est vraiment beaucoup plus simple. Et je pense que je préfère vraiment les cours aux États-Unis. La journée dans mon lycée américain, donc en gros on a ce qu'on appelle des périodes. Donc j'ai 7 périodes, ce qui est l'équivalence à 7 heures de cours. Donc le matin, la première heure de cours commence à 8 heures. J'ai donc ma première période, ma deuxième heure de cours. Ensuite j'ai le breakfast, donc ce qui est une pause environ de 15 minutes dans la salle de lunch. Ensuite j'ai ma troisième, quatrième, 5 heures de cours. Ensuite j'ai le lunch, donc tu peux apporter ta lunchbox ou alors acheter ta nourriture dans le lycée. Et ensuite j'ai ma sixième et septième période. La septième période, c'est soit on fait du sport, on pratique du sport, ou soit on a le yearbook. Donc moi par exemple je fais le yearbook. Ça retrace toute une année du lycée, donc le bal de promo, le homecoming, et à 15h je rentre. Alors, si je dois donner un conseil, vraiment, c'est lance-toi, n'aie pas peur. Vraiment, c'est si t'as envie, si c'est ton rêve d'apprendre l'anglais, découvrir une autre culture, voir des choses totalement différentes, lance-toi. Ça sera la plus belle expérience de ta vie, je te le promets, je te l'assure. Ça peut être compliqué, il y a des moments très compliqués, il y a des moment où vraiment tu vas te sentir mal, mais il y a tellement de moments où tu vas te sentir libre, tu vas te sentir bien et fière de toi. Je pense que je me suis jamais sentie réellement fière depuis que je suis ici, et c'est juste la meilleure, je le sais en fait, je sais que ça sera la meilleure expérience de ma vie, alors que ça fait presque 3 mois que je suis là, mais je peux déjà dire que c'est la meilleure expérience de ma vie. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable, et mon conseil c'est lance-toi, n'aie pas peur, vraiment. Et ouais, lance-toi, lance-toi.